Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Brachy, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous reconnaissez pas ce décor, c'est normal parce qu'on est avec Vaiton. Ah voilà, je te cherchais. Cet homme est tout nu. Et moi aussi. Voilà. Donc, on est sur une nouvelle série pour ma chaîne, pour ma part, ça s'appelle les jeux test. Et donc, on est sur un nouveau jeu que vous ne connaissez un ours. Que vous ne là-haut de la montagne que vous ne connaissez pas, ça s'appelle Rust. Donc pour ceux qui connaissent, tant mieux pour eux. Pour ceux qui connaissent pas, justement, c'est là le principe de la de jeu test. Donc jeu test, c'est quoi? C'est je vais prendre des jeux comme ça et faire des petits tests comme ça, une petite série test, et puis voir si ça vous plaît. Et dans ce cas-là, je ferai des vraies séries officielles. Donc Rust est un jeu. Bah, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai pris un screenshot d'un site sur lequel on est, le serveur sur lequel on est. Et donc voilà, vous pouvez voir, Rust c'est un jeu magnifique en graphisme. Et le but, bah, c'est de survivre en prenant des ressources, bois, pierre, tout ça. De se faire des armes et tout avec, de se faire une base, comme vous pouvez voir par exemple là-bas. Et avec sa base, bah, de stocker ses ressources, aller assaut d'autres bases, attaquer d'autres ressources. C'est vraiment un énorme jeu, très développé. Mais bon, si vous n'avez pas extrêmement bien compris, donc déjà vous pouvez lire le petit screenshot qu'il y avait juste avant. Et sinon, bah, je vous conseille vraiment de regarder la série entière. Voilà, je vous conseille de regarder la série test, elle est là pour ça. Donc il y aura aussi la chaîne de Vaiton en description. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse du bois. Donc moi, j'ai déjà de la pierre, du bois et du tissu. Et on a spawn ensemble avec Vaiton, et du coup, on est parti. Hein. Donc on va aller vite se trouver un endroit pour se faire une base après. Je m'attends, j'allais taper dans l'arbre, ça fait non, ta gueule. Ta mère. Oh putain. Oh, mais le pire, c'est les ours et les loups. Parce que c'est. En fait, dans ce jeu, c'est que du PVP et du PVE. Donc principalement. Donc PVE, on a pas mal d'animaux, on a les bambis, en gros les espèces de boucs, les boucs. Non, c'est pas du PVE. Ouais, non, ça c'est la bouffe. Parce que oui, donc ouais, mais je vous explique le fait. En haut, c'est la barre de vie, dessous d'eau et corps dessous de bouffe. Voilà. De toute façon, on voit les signes hein, qui sont voilà. Assez bien. Mais de toute façon, je vous dis, hein, si vous comprenez pas, cette série test est là pour vous, est là pour ça. Vous allez voilà, rester là. Et il y a encore un ours là-bas. Donc voilà, il y a deux animaux qui font mal dans le jeu, c'est l'ours et le loup. Le loup est assez simple à tuer mais fait mal, et alors l'ours, oh, c'est un monstre, ça faut pas s'approcher. Mais voilà, vous allez découvrir avec nous la série, ça va être vraiment cool. Hop, j'ai de quoi me faire une hache, une pioche. Je vois pas de rocher. Bon, moi je dis on va se caler là-bas. Faut ouais, pas perdre de temps. Dans le jeu, faut pas se poser de questions parce que n'importe quel endroit est bien, c'est ça. Et regarde, il y a une petite maison là-bas. Ouais, bah parfait, on y va là-bas. Par contre, il y a un ours aussi, donc on va essayer d'esquiver. Non, mais là-bas, de l'autre côté de la rivière. Ah ouais. Bon, on ira voir plus tard s'il y a quelque chose. Ouais. Par contre, la nuit commence à se coucher, donc on a commencé juste avant la nuit. Il y a l'ours là, hein, fais gaffe, faut vraiment pas le focus. Enfin, c'est juste pas lui qu'il faut qu'il nous focus. Donc oui, on est tout nu pour l'instant. Bon, ça va, j'ai un peu de ressources. Ah putain, il va nous rect. Eh, si. Ok, go. Rush ta vie. Rust. Donc on spawn avec un caillou et une torche. Le caillou sert à faire des dégâts, casser de l'arbre, sert à tout faire en fait. C'est un caillou multifonction. On l'appelle ça comme ça. Voilà, on l'appellera comme ça. Donc si on dit caillou multifonction, c'est ça. Donc ça par exemple, c'est du chanvre, c'est une plante qu'on peut ramasser pour avoir du tissu. Avec du tissu, on peut se faire des habits, des sacs de couchage. Pour oh, un bambi. Un bambi. La bouffe. Tu vois les gros barbares. Voilà. Donc voilà, ça arrive la nuit et c'est pas grave, on a des torches. Donc on pourra déjà vous éclairer quelque chose. Ça, ce qu'on a sur nous, c'est le stuff de départ. Il y a un peu de monde ici, mais bon, c'est pas très grave. Moi je dis, on va se caler là-dessous. Ah, Bambi. On a perdu le Bambi. Ah non, il est là-bas. Je récupère le chanvre. Ouais. Ah, il est là. On verra plus tard. Autant se faire des armes. Après, on aura pas comme ça. Ah, il y a un mec là-bas. Oh fait... Regarde. Voilà un ours en pleine action. Rip, Jean Momo. Ok, un ours, attention, recule. Donc vous voyez, il y a un homme qui vient de spawn là, et l'ours l'a défoncé. On se casse. Et il y a Bambi là. Il y a Bambi, l'ours. Je vais chercher son cadavre, comme ça on a une torche en plus pour la nuit. Vililit, on économise les torches, comme ça ils pourront y voir quelque chose. Moi, les gens. Je vais prendre Bambi, je m'en fous. Oh oui, il avait 20 tissus et une torche et un caillou multifonction. Ok, on se casse. Bambi. Je suis en train de courir après le Bambi. Regarde, moi cet autiste. Et boum, je t'en... Ah, d'accord. Ok, ça arrive la nuit, on y voit très vite mal. Hein. Là, ça se trouve sur... vous y voyez peut-être pas grand-chose déjà. Il y a un loup. Où ça? Juste là, en bas de le rocher. Mais c'est blindé d'animaux ici. Il y a deux loups. Ok, on se casse. Donc voilà, on arrive, on se fait direct rect, là, sur le serveur. C'est pas grave. On va commencer comme ça. Maintenant, on comprend le mot. De toute façon, c'est le principe. Hein. Je teste, on n'est pas...
C'est juste pour vous montrer un peu comme ça, si ça vous plaît ou quoi. Si vous voulez plus d'infos, voilà, il y avait le... encore un cadavre, dis donc. Enchaîne. Il est occupé. Ah voilà, c'est... Relève. Oh, encore un autre cadavre. Mais c'est moi. Mais t'es au courant qu'on, qu'on nous a tiré dessus. Et je viens de mourir. Ouais, et bah je t'ai relevé pile en même temps que... qui t'a tué. Ok. Oh. Oh, attends, t'inquiète, je pourrais te faire un lit pour que tu te TP à moi. Parce que oui, y'a pas de TP dans le jeu. Bah en fait, t'en as, mais que sur certains serveurs. Voilà, c'est serveur modifié. On est sur un serveur modifié, mais vanilla en fait. Il est modifié juste dans le sens où y a un mode pour la radioactivité, c'est assez cool. Ok, j'ai trouvé ton cadavre. Je vais essayer de te faire un lit. Pour vite que tu respawns. Attends, je te fais ça. Craft, sac de couchage, créer. Dans 30 secondes, tu pourras te TP. Ok, j'allais me suicider. Ouais. Oh, attends, j'ai réapparu à l'endroit avec notre ancien sac de couchage, là. Ah, ouais. Du coup, je cherche le mec. Avec ma torche, je suis là en mode... Wow. Non, il est déjà parti. Hein. Oh non, c'est pas drôle. Parce qu'on avait déjà testé un peu le serve, s'il était bien ou pas. Mm. Ok, moi, je suis à l'endroit parfait pour faire la base. Hein. C'est assez plat, en face, il y a du monde. Oh, une Bambi. De toute façon, je m'en fous, j'ai Par contre, il y a un gars là-haut, donc va falloir faire gaffe. Oh oui. Bambi. Oh, il y a un Bambi avec 12 PV, là, je peux le taper. Les merguez sont pas trop mal, mais nuls à côté des admins. Ok, c'est bon. J'ai ton lit. Je vais le poser. Donner un ami. V... Et Vaitan. Voici la définition d'un gogol. Attendez. Vas-y. Suscite-toi. Ah, attends. Attends, je suis dans la rivière, mais j'arrive. Je peux m'en faire un aussi. Parfait. Non, ouais. Ah, si. Parce qu'elle est là, donc comme ça, moi aussi, je peux respawn si jamais. Voilà. Noyade, en plus du trop froid et du trempé. Oh merde, le loup. Oh non. Oh bah tiens, justement. En plus, j'étais en train de craft. Ah. Mais tu m'attribues le lit? Ouais. Ok, nickel, bah tu pourras... Bah du coup, quand tu spawns, tu me donnes ton lit. Ouais. Oh putain, les gars, c'est galère. Ah ouais, mais les débuts sur le jeu, c'est compliqué. Vous verrez, une fois qu'on aura pas mal de ressources, on aura fait des fondations, on aura une petite base tranquille, ce sera plus tranquille. Si on va jusque-là, hein, parce qu'à la base, c'est un test, hein, donc on peut très bien s'arrêter au début ou quoi, ou en un épisode, vous demander si ça vous plaît. Hein. Mais je pense qu'on va continuer un petit peu, tu vois, c'est... Pour l'instant, c'est plus pour y aller tranquille, quoi, pour faire du contenu. Ok. Vas-y. Donne-moi le lit. Vite le lit, il y a un loup à côté. Comme ça, moi, je peux respawn direct. De frac, si c'est bon. Ok, je me noie. Comme ça, je peux venir à toi. Voilà, c'est un peu la merde, mais bon, c'est pas très... A buter l'ace boy. Allez, j'arrive pas à me noyer, c'est pas assez profond. Oh, il y a une Bambi. Bambi. Ouais, mais elle a 15 PV. Essaye de la tuer, elle a 14 PV, je crois. Bah, s'il te plaît, il y a un ours à côté. J'arrive pas à mourir. Rien n'est assez profond. Bon, on va se suicider à la méthode aussi. Donc voilà, on est quand même sur un bon cerf. Mais ouais, n'hésitez pas du coup à lâcher un like ou à mettre un petit commentaire pour nous dire si vous voulez vraiment une vraie série officielle là-dessus. Pareil pour moi, donc moi ça me ferait vraiment plaisir de commencer une vraie série avec vous là-dessus. Ouais, ce serait cool. Puis il y a pas mal de choses à faire, mais... En fait, c'est compliqué à filmer dans le sens où, par exemple, en un jour, on peut faire un épisode de 20 minutes pour vous. On fait un petit épisode de 20 minutes. Voilà, on ferme pendant 30 minutes, on se déconnecte, on se reconnecte le lendemain et on n'a déjà plus rien. Il faudrait tout recommencer. Donc ça ferait une série de 1 épisode, ce serait nul. C'est pour ça que c'est compliqué à filmer. Mais là, justement, on va essayer de... C'est pour ça qu'on fait un test. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de votre avis. Si vous, comme ça, au moins, si vous me donnez un avis, c'est-à-dire que vous en foutez un peu du fait que si on recommence... Ouais, justement, vous voulez voir, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, moi, c'est ça, c'est le principe. Les jeux test, la nouvelle série un peu sur ma chaîne, ce sera ça. Les jeux test, ça servira à ça. Je suis en train de mourir de chute, là. De chute? Ouais, là, je suis blessé, là, tu sais, je suis à terre, je suis en train de crever. Voilà. Donc, voilà, comme vous voyez à droite, c'est les crafts, hein. Parce que j'arrive pas à ouvrir mon inventaire, tu sais, laisser les crafts normal, je suis en train de spammer le craft. Allez, ah ouais. Voilà. Je suis mort. Ah merde, 180 secondes. Ok, c'est pas grave, on va faire quelque chose en attendant. À moins que ça se trouve, je respawn pas loin. La Skyfit qui est connecté. Ouais. Petit coucou à lui. Bah en attendant, je vais allumer ma torche et je vais faire quelque chose en attendant. Mais voilà, c'est un peu...
Vas-y, allume ta torche. Non, moi je ferais une ellipse, hein, voilà. Ouais, juste pareil. Ouais, bon, on va dire une petite ellipse là. Ellipse, quand voilà les gens, donc c'est bon. Donc la nuit est passée, entre temps on s'est fait tuer. Bon, il y a eu quelques petites complications, donc là-bas ça pue vraiment beaucoup. Entre les ours, on a rencontré. Moi personnellement, j'ai rencontré 5 ours. On a rencontré 3. 2 personnes qui nous ont tiré dessus, donc du coup on s'est juste décalé un peu par là. Et au passage, j'ai trouvé les meilleurs outils du jeu. Une pioche, c'est la meilleure. Et là, achète. Il y avait un gars mort par terre, j'ai pris, bah parfait. Donc voilà, et là je vais pouvoir même me mettre mon propre lit. Juste à côté là, voilà. Nickel, bah go alors, c'est parti, go ramasser des ressources, tout ça, ça. Moi je suis déjà en train de casser de la bûche. Nickel, il faudrait des cailloux. Bah go là-haut, je vais chercher des cailloux. Des cailloux. Attends, je vais nous poser un petit. Une petite caisse là, tranquille. Non, une cachette, merde. Oui, une petite cachette, toi. Cachette, non, et juste pour mettre ma hache, parce que là je vais chercher des pioches, je vais chercher des ouais, de la pierre. Des cailloux, donc je prends juste la pioche. Tout ce qui reste, je poserai tout. Eh, bah tu vois, on les entend déjà, les gars, se tirer dessus là-bas. Ouais, on les entend se tirer dessus. Ouais. Hop là, donc on va faire une petite lance en bois, les gens. Lance en bois, donc pour se défendre. Et ce que j'adore dans ce jeu, je l'ai déjà dit à Fraxis, c'est qu'on commence limite à la préhistoire avec les lances en bois et tout, et à la fin on termine avec des AK-47. Mmh, et moi je suis avec mon couteau en os, et à la fin, bah voilà, enfin à la fin, tu sais, assez vite, hein, on peut se fabriquer direct des fusils, tout ça. Tout ouais. Ça, il nous faut du métal, mais c'est pas bien compliqué, hein, là. Non, si ouais. On veut, on peut vous montrer tout ça, mais voilà, on verra bien. Oh, il y a un ours là-bas. Il y a deux ours. Eh, mais ce serveur a un problème d'ours, c'est pas possible. Oui. J'ai évité d'y coller au lit, parce que le gars qui va casser les lits, ça va direct ressortir. Je vais mettre là, dans le buisson là. Hop, okay. Du coup, dedans, je te pose la hache. Tiens, si tu veux aller chercher du bois. Ouais, je vais aller chercher du bois. Ça, le bandage, j'en aurais pas besoin. Et je te pose le bois, le tissu, le cuir, voilà. Et ouais, j'ai le cuir, moi, je veux bien. Voilà, attends. Ça, c'est ce que je vais enterrer. Donc tiens, prends vite fait quelque chose qui t'intéresse. Mais là, si tu veux, je te jette mon stuff en trop. Vas-y, ton cuir, s'il te plaît. Attends, juste ton cuir, c'est juste... un peu. Juste ton cuir, c'est tout. Tiens, prends l'arc aussi. Hop, et hop. Ok. Ouais, c'est bon, je suis parti miner un peu. On va tout de suite se faire un pantalon, avant que ça crie trop dans les commentaires pour la nudité. Ouais, moi, je vais le flouter. Hein je ouais, bah flouter. Moi, ça veut pas se flouter, donc ça m'issule un peu. Mais ça va, il y a quand même pas mal de ressources par terre. En fait, c'est bien, mais tu m'as donné l'arc, mais tu m'as pas donné le... Mais j'avais pas le flash. Ah ouais, t'avais pas les flèches. Non, le gars, c'était sur le cadavre et il avait plus de flèches. Pour on ça, cache. Je suis parti chercher du caillou et tout. Mais tu sais, là, au-dessus, il y a une plaine, là, au-dessus, là, j'ai eu pas mal de cailloux. Alors, à moins qu'ils aient été formés, aussi, il y a masse chambre. Si, là-haut, il y a un caillou à droite. Ouais, il y a deux cailloux, c'est déjà ça. Avec une pioche, ouais, trois cailloux, avec une pioche, ça va aller vite. Ah non, c'est un porc. Non, je déconne pas. L'humiliation d'un con. Non! Quoi? Il zigzag, il lui reste 6 PV, il zigzag. Ah bah t'as pas mon arc. Attends, j'ai un caillou en main, je vais lui tirer dessus. Je vais essayer de le viser avec le caillou. Des cailloux! Mais mec, ça m'énerve là. Truc de merde. Je vois tout le monde avec des murailles en pierre et je sais pas comment on les a. Ça a l'air simple pourtant. Oh! Oui, je l'ai eu! C'est bon, on va avoir de la viande. Ah, ça c'est cool. Désolé hein, pour tous les... Pour les filles ou quoi sur ma chaîne, parce que je sais qu'il y a des filles. Hein. Ah bah d'ailleurs, on remercie tout le monde. Hein. Vraiment merci tout le monde. Hein. Ah oui, d'ailleurs. J'ai balancé comme ça, mais... d'ailleurs aussi, merci pour ma chaîne. Hein, merci. On est bientôt 50 sur ma... Bientôt 50. Donc d'ailleurs, à partir de 50, je vais installer un petit système. Je vais tenter de mettre un petit système dans les vidéos que vous découvrirez plus tard. Mais voilà, pour l'instant, on attend 50 abonnés, on voit ça. Oh, un coup de pioche, ça donne 62 pierres. Oh. Et pourquoi, en fait, au début, tu disais désolé les filles? Ah oui, bah désolé les filles, parce que j'étais en train de tuer un porc. Tu sais, j'ai arrivé, je l'ai juste défoncé, le machin était retourné, la bouche ouverte. Donc bon, désolé, quoi, le massacre non, d'animal, c'est voilà, chaise, c'est mal et tout, mais bon. Faut survivre, hein, sinon c'est moi qui meurs. Hein. Ah, je suis en train de me faire... C'est bon, je me refais tirer dessus. Déjà ? Ouais. Bah cours, cache-toi, fais quelque chose. T'inquiète, c'est déjà ce que je fais.
Mais essaye de ouais, vraiment pas mourir parce que je t'ai donné ce qui reste. Bon, ça va, il y a encore le coffre. Attends, on l'a pas enterré le coffre caché? Si, si, je l'ai enterré. Oh, ok, t'as. Ouais, merci. D'ailleurs, je vais tenter d'aller reposer, de reposer la hache. Non, 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 ça sert à rien, c'est pas grave, la hache. On... C'est pas grave, c'est pas grave. Ça rapporte 25 bois alors qu'une hache normale ça rapporte 20 bois, c'est pas la mort. Là, je croyais que c'était toi là dans le chat que j'aime voir mourir. Ensuite, tu te fais tirer dessus à l'arme à feu? Ouais, c'était de l'arme à feu. Attends, hop, je bah moi je termine là. Tous les cailloux. Attends, je peux peut-être te voir. Ouais, enfin, je sais ah pas. Ah ouais, je te vois là-bas. Je saute, je sais pas si tu me vois, je suis derrière ouais, la grosse base. Ah ouais, je te vois là-bas. Je sais pas, je me suis fait tirer dessus à l'arme à feu. Donc ouais, mais bah, essaye de te sneak, hein, mec. D'où je te vois, t'es debout en haut d'un... en haut d'une crête, là. C'est un peu... ça attire un peu tout le monde, quoi. Essaye de te sneak un peu, tu vois. Ah, mais j'étais en train de casser de l'arbre là-bas et puis je me suis fait tirer. Oh, dessus. Moi aussi, je me... Je vais me faire tirer dessus. Il y a une balle qui arrive à côté de moi. What? Mais elle a vraiment tapé juste à côté de moi. Terminer le caillou. Ça doit venir de la petite base en bois, là. Le mec, il doit se faire plaisir. Je vais essayer de tourner un peu. C'est bon, j'ai terminé mon caillou. Bah, je reviens. Je zigzague. Oh, j'ai déjà 1000 pierres. En deux cailloux. Ça. Un de soufre et un de métal. Donc, tu vois, c'est pas des cailloux où il y a que du caillou dedans. J'ai déjà 1000 pierres. Oh, un ours! Je cours, mais je vais mourir, il y a un ours juste derrière moi. T'es où? Attends, je me rappelle où je suis, je vais me mettre là. Voilà. Ok, je suis mort juste là, c'est pas très grave. Je retiens où je suis mort. T'étais dans la montagne? Non, je suis un peu plus en bas dessous. Mais je vais vite chercher, tu vois, je suis content, j'ai mis pierre et tout. Je cours. Viens avec moi, please. Ok. Je suis à l'arc au pire. Mais oh, y'a l'ours, mais il vient me chercher! Mais y'a l'ours! Mais c'est quoi ce... C'est bon, il s'en fout. Il a eu peur de mon arc, on dirait. Mais qu'est-ce que... Mais d'un coup, là, il a eu l'idée de courir droit vers nous. Enfin, tu sais, il reste pas au même endroit, quoi, dans la map. Vite, bah du coup, il est plus là-bas, on en profite. Go. Je suis mort juste là-bas derrière, hein. C'est pas loin, mais... Pour vous courir, si moi, je te couvre à distance. Donc le gars va avoir un ours, peut-être. Il va peut-être en profiter. Il y a un peu de bois, il y avait surtout la pioche qui rapporte masse pierre, ça, c'est cool. Du coup, j'avais pas mal de métal et tout, hein. Là, c'est bon, je vois mon cadavre. Il y a encore deux cailloux de chaque côté. Il y a un ours, il est juste là. Allez, cadavre. C'est bon, il t'a pas repéré. Ouais, mais s'il change de direction, je suis dans la merde. Ah oui, j'avais quasiment... Oh putain. Je me casse. Ouais, c'est bien de ce base là. C'est bien de ce base là, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Attends, bah. On s'en va. Donc, de toute façon, ouais, ça se trouve, on va direct mourir. Ça se trouve, on va pas, même pas... avoir le temps de faire une grosse base et tout, mais ouais, comme on t'a dit, c'est pour montrer. Ça se trouve, là je parle, mais ça se trouve, c'est pour, sur ma chaîne, ce sera déjà l'épisode 2, hein, qu'est-ce que j'en sais. Moi pour l'instant, moi je dis on tourne, viens, on fait comme ça. On a rien prévu avec Vital. Viens, on tourne et on coupera comme ça. Mec, on m'a retiré dessus. Non, mais il doit être au. Peut-être au snipe, il essaie de nous avoir, tu vois. Ouais, juste pour le kill, quoi. Ouais, c'est ça, ou pour le, voilà, pour le fun de tirer, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, surtout. Du coup, je vais essayer d'y mettre dans la cachette, là, tous nos... Elle est où? Elle est là, mais attends un peu. Voilà, ouais, elle est là. Bon. Non, mais j'étais pas pile dessus. Non. Je vais remplacer... Ouais, des bandages. La bouffe et ça, par la pioche. Et surtout, je vais mettre... 1000 pierres dedans, voilà. T'as encore de la graisse animale? Ça, c'est notre survie. Hein. Là-dedans, c'est notre coffre de survie. Montre, enlève-toi. Attends, j'enlève 500 et on va mettre 500 de bois aussi. De la précision, je pile 500. Bon, ok, 502, c'est pas très grave. Tac. Ah, il y a un mec là-bas. Ah non, c'est une biche. Voilà, ça, c'est notre coffre de survie. Ah ouais. Ok, c'est bon. Ah ouais, la pioche. On enterre. Vas-y, enterre. Voilà. Donc ça, c'est notre coffre de survie. Ensuite, on va mettre un vrai coffre pour qu'il cherche pas un coffre de survie autour. Bon, go continuer normal. Hein. Ouais. Alors, est-ce que j'ai de quoi me faire une petite... Oui, tu veux une hache? Oh ouais, ça, je veux bien, ouais. Tu veux du bois? J'en ai pas mal, comme j'ai pris la hachette. Ah oui, c'est bon. En fait, ça va être le bois qui va me manquer pour en faire un deuxième. Bah ouais, je veux bien du bois. T'as de la graisse animale? Ouais, tiens. Tiens, par contre, passe ta graisse animale. Le tissu, ça va. Ah, ça c'est cool. Donc en fait, là j'envisage déjà cool. Je suis en train de créer les différents éléments pour faire un four.
un four, donc c'est la vie dans ce... Voilà, donc j'ai fait un petit coffre, hein, si tu veux vite faire. Ouais, attends, pour l'instant je suis dedans, donc voilà. Mmh. Hop, je vais mettre ça. 11 x 4, ça fait combien? Ah, j'en aurais largement assez. 11 x 4, ça fait 44. Attends, 11 x... Oui, c'est ça, 44. On va en faire 7 pour l'instant. Ah, oh, pourquoi mettre seulement 500 bois quand on en a mis... J'en ai 1200, donc autant... voilà quoi, autant juste en garder 1000, tu vois, ça sert à rien. Moi j'en ai 100 en plus, je vais les poser dans le coffre. Okay, du coup, ça fait qu'on a 745 de bois, voilà. Tiens, en plus, faut toujours plus de bois que de terre, donc là c'est bien. Je te fais un petit pantalon, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, comme ça, évite d'être tout nu. Je vais faire un feu de camp, donc le feu de camp, ça sert à cuire la bouffe, ce qui va être très important. Ah, on a pas assez. Attends. Parce que la bouffe, ça nous permet de régène dans le jeu. Et en plus, ça nous permet de régène, donc surtout de pas mourir de bouffe. Et aussi, le feu de camp va nous permettre de nous soigner. Et comme ça, vous allez pouvoir y voir quelque chose la nuit. Hein. Moi, je dis, on enlève le bandage pour. Mais pour. Ah oui, le bandage, un seul bandage, il sert à rien. Et tu veux mettre quoi à la place? Notre carburant. Mais le carburant, ça sert pas à grand chose. T'en mets du fer ou tous ces trucs, mais le carburant. Le carburant, c'est les fours, c'est super dur. Oui, à c'est avoir, les fours, mais un four, c'est un objet qu'on crée. Déjà, faut que t'aies à tête tous les trucs pour créer un four optimisé. Ouais. Parce que le mettre du carburant, dans ce cas-là, je sais pas, moi je te mets du tissu ou quoi dedans. Ouais, faudrait limite. Tiens, j'ai le. Mais ça servira à rien, tu vois. Mm. Ouais, je regarde. Mets du métal, ouais. Voilà, t'as de quoi faire un. Attends, j'ai. Willy. Ah, c'est bon, ok, il est là. Feu de camp. Pour l'instant, c'est un camp, hein. Clairement, là, on fait un camp. Je me régène. Par contre, tu m'as pas fait ma hachette. Ouais. Tiens, bah, dans mon inventaire, il me reste que 1000 bois et 500 pierres. Il y a que ça, sinon il est vide. Créer et une pioche créée. Ah, Black Death m'appelle. Bah, non. Pour l'instant, on est en vidéo. Bah, voilà, si jamais. Donc, voilà, il y aura peut-être Black Death qui va rejoindre. Bah, au pire, on l'ajoute. Hein. Aïe. T'as un bolos, recule. Je me brûle. Ah oh. Mais. Et t'as un bolos. Normalement, il n'y a pas moyen de se coller. D'accord. Non, mais c'est parce que regarde, il y a de la pente. Non, mais même pas en fait. Non, en fait, on est trop habitué au serveur. Non, en fait, c'est tout court, c'est ça. Donc, ok, bah, faut pas trop se coller. Achète en pierre, tiens. Je vais éviter de l'acheter trop loin. Donc, ouais, je vais juste ajouter Black Death et on.